Hello à tous, c'est Gohan San. On s'était quitté sur cette vue sur le comment l'épisode numéro 1 de SketchUp pour Minecraft, une maison moderne minimaliste. Et du coup voilà, c'est l'épisode 2. Alors on va continuer. J'avais fini les bases. La base la plus haute, après la base la plus basse ici, la base au sol ici, et le petit bassin, et là la base un tout petit peu plus haute, voilà, au même niveau que là. Alors là on va commencer. Alors je vais pas vous le faire d'un coup parce que ça va prendre peut-être un petit peu trop de temps. On va déjà faire une partie, alors je pense faire à peu près toute cette partie là. Le plus gros du truc. Alors on va commencer tout de suite là. Il y a un truc que j'ai loupé. Je sais pas combien c'est là. Bon, tant pis. Donc à partir de là, alors on va mesurer déjà, on va faire des belles petites mesures. Là, il nous faut 3000. À partir de là, il nous faut encore 3000. Ensuite, je voudrais bien monter. Il nous faut plus 1 par rapport au socle. Donc plus 1000. Voilà, on obtient un point en l'air là. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. On dirait qu'il est par terre, mais vous voyez, quand on fait bouger là, on voit bien avec la perspective qu'il est en l'air. Donc il est au même niveau que celui qui est là. Que celui-là. Ils sont au même niveau. Alors bon, le but là, c'est de faire des repères pour avoir notre socle. Pour avoir en fait notre mur décalé par rapport à ce socle. Alors j'entame ça sans savoir quoi comment faire vraiment. Ouais, donc je vais faire un début de truc, puis on verra après. Alors là, ça devrait venir jusque là. Non. 9000. À partir de là, 6000. Oh, j'ai pas le droit. Le but là, c'est de faire en gros. Comment j'avais fait déjà pour faire ça? Ouais. Échappe pour enlever le. Vous vous rappelez dans l'épisode numéro 1, j'arrivais pas à l'enlever, mais en fait c'est juste échappe. En gros. Vous voyez, c'est décalé de 1 là. Donc là, ça sera décalé de 1 aussi. C'est juste pour faire un écart entre la base et le mur. Pareil ici, mais là c'est décalé de 3 parce que. Bon, il y a tout un bordel. Au départ ça aurait pas dû être si décalé, mais bon, ça fait des détails. Alors là lui du coup, alors tac, là on est à 18, donc 19 toujours pour être décalé. Et là le trait rouge. Oh putain.
Voilà. Non, très rouge. Combien? 4, 5, allez, on va essayer 5000. Et non, c'était 6000. Donc, on va rajouter 1 si on peut. Sur le trait rouge. Le trait rouge, voilà. Voilà. Si on zoome. Bon, il y a un trait bizarre là, mais c'est pas grave. Donc voilà, ici, hop, on échappe. Là, je m'arrête comme ça parce que ensuite, là, il y aura ce mur-là qui va se lever. Vous voyez, et puis ça vient contre. Par contre, il se lève de. Je sais pas. Mais ça sera dans le prochain épisode, je pense, parce qu'on sera bien, bien embêté ici déjà. Je vais le laisser comme ça, parce que ça nous fera une base. Donc. Non, c'est ça que je veux. Ouais, c'est pas pratique, c'est du. On est revenu là. Je vais compter. Je suis au bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Alors de là, 8. 21 000. Non. Désolé. Annulé. C'est 19. Et là, on descend en bleu de 1000. Voilà, je fais une petite entorse au, comment dire, à l'écart qu'il y a ici. C'est-à-dire que là, ben, en fait, je vais faire un petit pilier. Enfin, le mur. Le mur, il descendra en pilier ici, là, tout simplement. Donc voilà, en gros, je fais les bases. Vous voyez, là, lui il se met tout seul avec le point bleu. Donc bah, je clique. Voilà, on a notre mur. Pareil, on fait là. Là, par contre, quand il y a trop de. Faut être en fait dans une vue dégagée pour que ça marche bien. À notre mur. Nous, ce qu'il nous faut, c'est vite enfin, l'épaisseur du mur, quoi, hein, aussi. Donc, alors, pour faire l'épaisseur du mur, bah, il y a rien de bien compliqué. On trace ça à 1000. Là, si on arrivait à faire ça, tu veux pas? L'axe vert. Voilà, là. Là, on ferme. Là, on pourrait tirer les. Comment ça s'appelle? Non, d'ailleurs, c'était pas ça que je voulais faire. Contrôle Z. Voilà. On pourrait tirer le. Mais bon. On sait faire ça maintenant. Donc. Vous voyez, on arrive à créer les murs sans les tirer. Je pense que c'est un peu mieux. Alors lui, jusque là-bas. Mais comme on est sur l'arête, on enlève 1000. Donc ça fait 18 000. Ensuite là. On vient jusque là.
Et alors oui, là, parce que faut faire l'extérieur, mais aussi il faut faire l'intérieur en même temps. Faut pas se planter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il y aurait 9000, oui. Donc on a ça, plus 1, 2. Donc là, plus 2000. Après là, plus 1000. Non, je pense pas. Si je fais en plusieurs étapes. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va le faire de 9000. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je disais 1000, parce qu'en fait, à ce niveau-là, bon, là, il y aura, à partir de là, il y aura une demi-dalle. Le problème, c'est que là, on est encore sur la hauteur du socle. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va tourner ça. J'ai encore rien de fermé, c'est ça qui est emmerdant. Bien voulu fermer ça avant. Désolé, je réfléchis. Là, c'est à partir du point 6 à 5000. Pas 1000, si. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est ici. Voilà, on a un mur. Sachant qu'après ce mur-là, je vais le... Je vais le modifier un peu pour faire une fenêtre. On va se concentrer là-dessus. Ici, je tire à 1000. Là, pareil. Là, 3000. Alors là, c'est pour faire en sorte que ça fasse un petit muret. Enfin, le muret. Ce mur-là, il va monter carrément jusqu'en haut. Mais voyez le plan à peu près. Là, ça va jusqu'où? Jusqu'en face de ce qu'on a fait là. Et jusqu'ici. Et là, 2000. Enfin, 1000, pas 2000. Voilà. Ensuite, on referme à 1000. Là, à 1000. Là, à 1000. Là. C'est cool ça, on fait 1000. 2000, voilà. Là c'est le futur mur, donc après, ici, de là jusqu'au mur, on ferme, voilà, on a notre sol. Alors on va gommer, très important, parce qu'après si... On gomme pas, on va vouloir monter une surface et puis ça va pas aller. On va gommer. Alors si on gomme ça, j'ai bien peur qu'en fait, voilà, ça fait disparaître en dessous. Ah. Et si on fait ça, ouais, ça le fait apparaître. Bon. Ben, il va falloir tout faire monter d'un demi-cran alors. Alors, on va faire monter ça de 500. On fait monter ça de 500. Oh, le décalage, bien. Une fois que ça sert. Voilà. Et ensuite, j'espère que ça va pas m'emmerder. On enlève les traits là.
On va vérifier en dessous, hein. Ah non, ça les a supprimés. Alors, on va pallier ça à ça. Hop, voilà, ça l'a remis. Là, c'est ouais, c'est pas fermé là-bas. C'est un petit peu normal ici que ce soit pas fermé, parce que faudrait arriver à fermer tout le long. Là. En gros, faudrait qu'on ferme ici. Voilà, ça, c'est des trucs que j'ai pas pensé en préparant le tuto. Voilà, du coup, là, c'est fermé. Je vais tenter de fermer ici du coup l'épaisseur du socle, l'épaisseur là, voilà, on a fermé, en plus ça a fermé ici, impeccable. Tac 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 tac, ça c'est bon. Putain, on dirait que là il y a plus large que là, mais en fait si on regarde depuis là, on a pareil ici, on a pareil que là. Voilà, ça me rassure, parce que des fois on voit en biais, là là il est large, là il est fin, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, ensuite alors le plus 1 par rapport au socle, pardon. Le problème, c'est qu'en fait, donc là, 7000. Voyez, on arrive là, ça c'est bien. Ensuite, là, jusqu'au niveau de ça, là. Très bien que ça suive le, voilà, rouge et rouge vert, tac. À 2000, je sais pas si je vous avais expliqué, mais en fait le mur là il rentrera ici là. Vous voyez, ce mur là, hop, ça vient jusque là dessus. Là je vais déterminer la hauteur, en fait, que je me suis trompé d'ailleurs, en fait c'était pas là. C'était une demi dalle plus haute. On va vite refaire. 7000, là du coup c'était combien? C'est 16. Non, combien on pourrait mettre là? Bah 17 000, on dirait qu'il me le dit. On est en face. Ouais, impeccable. On va faire ça, ça sera bien. Échappe. 2000. Là pour pouvoir finir le truc. Ensuite je vais monter ce mur, comme ça ça sera fait. Je vais monter le mur là. Par contre je vais le monter de 2000.
Non, c'était pas 2000. C'était 1000. Il me semble. Là, on va fermer et on va faire comme comme ici, là, on va pas le monter tout de suite, mais après il montera jusqu'au plafond. Oh, on peut le faire monter tout de suite en fait. D'ailleurs, lui, après, je vais le tirer parce que c'est le. Ouais, c'est bizarre. Bon, tant pis. Donc, on va le monter. Que c'est 6000 qu'il faut monter là. Si par exemple on fait ça, on va pile poil sur l'arête, on suit aucune. C'était pas 6000. On se trompe. C'était 5000. Donc là il y a un petit muret. Ah oui, là il faut finir ça coûte que coûte. Donc ici. Ça vient ici. Il y a 3 à l'intérieur ici. Ici il y a 3000. Pour couper en fait cette partie là de cette partie là, il y aura même en fait c'est une dalle 2000 par 3000, vous voyez, hop, elle sera 500, non 500 là, ici ici bah, il y aura à peu près la même chose. Sauf que là, bah, ça va. Alors, 2000. Qu'est-ce qui se passe? Et ici, ça va jusqu'à où? Bah, jusqu'au mur qui sera là. Donc là, c'est 11 000, donc 10 000. Toujours penser à l'épaisseur. D'ailleurs, on peut même faire. Là, j'ai des traits qui ne devraient pas être là. 1, 2, 3. 3000. 3000 dans ce sens-là. Et ici, fermé. Là, ça va être la porte. Échappe. Donc, on revient là. 1000. Voilà. Je vérifie bien. Donc voilà, on peut monter. Alors ça, bah du coup de contrôle et hop, on monte plus haut. 2000. Pareil. 1000. Et là-bas, pourquoi ça fait bizarre? Ah d'accord, il y avait une deuxième partie. Ah oui, ok. Donc, corriger ça. Hop. Corriger. Comme ça. J'aime bien voir la fermeture, comme ça c'est bien. Et de l'autre côté, je pense que c'est pareil. Ouais. Non, elle est bonne. Ouais, il est fermé, c'est bon. Donc voilà. Ici il y aura des fenêtres. Bon, je vais peut-être pas vous les montrer maintenant finalement. Il y aura des fenêtres. Alors c'est chiant parce que je voulais vous montrer plein de trucs, puis avec toutes ces histoires de machin là. Donc je pense que là c'est 5000 aussi. Qu'on soit en face. Là.
Alors là, du coup, bah, c'était pas 1000, ça devait être 2000. Donc on va le remonter de 1000 de plus. 1000. Voilà. En fait, c'est un petit muret, hein, on voit à travers. Et puis je vais le rebaisser de 1000 parce que il n'est pas bien là où il est. Parce qu'en fait, du coup, on devrait avoir, alors ici, je reprends un midi dehors, 2000, non 1500? Pourquoi 1500? Ah oui, on a 3000. La barre que je mettrai après au-dessus. Si je suis fou, mais pas comme ça. Le gars qui se dit fou. De là à là, c'est. Non, allez, moi je veux savoir de là à là. Voilà, 6000. J'avais dit 7000 en fait. Pourquoi ça fait 6000? C'est ça qui m'embête depuis tout à l'heure en fait. Échappe. Alors il faut monter ça. Alors comment monter ça? Pareil ici. Ça, pourquoi c'est différent? Ah oui, c'est le mur intérieur. Je me rappelais plus de ça. Pareil ici. Toutes ces petites retouches là à refaire quoi. Et là du coup ben, on va mettre ici sur la face. Non, je me suis gouré. Milieu ici. Sur la face en rouge là et on gomme ici. Ici y a quoi? C'est tout droit ici, donc on peut déjà même faire un mur. Alors là oui, c'est ici, ça c'est à cette hauteur plus haut que celui-là par exemple, c'est parce qu'en fait il y a le plafond, enfin le toit là, et ensuite là il y aura un plafond. Par exemple de là à là, et après on étirera pour faire le plafond, et là on étirera pour faire bah, le mur. Le toit. Mille sur la queue, ce rouge. Non. Non, 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 je me suis trompé. Je suis pas encore habitué, hein, finalement.
Écoutez, on verra ça plus tard. On va terminer ça. Alors ici, pareil. On va faire un trait là. Ça tirait deux là, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je vais prendre le milieu, tac, voilà. Ensuite je vais prendre ça, je vais y baisser jusqu'à là, moins 3000, voilà. Ici je gomme et je reprends au milieu de ça, je prends là. Ensuite j'y monte, je monte ça de 5000. Encore des doutes, j'ai encore des doutes là dessus et ici j'avais oublié aussi, on a un qui fait 1000. Là aussi, et il faudra qu'on étire jusqu'à l'extrémité là, voilà. Ensuite si on gomme ça, ça gêne pas. Si on gomme ça, ça gêne pas. J'aime pas voir tous ces traits inutiles au milieu, comme celui là par exemple. Oh, m'énerve. Et des fois, dès qu'on gomme, voilà. Vous voyez ce qui arrive. D'ailleurs, j'ai pas gommé le bon. Pourquoi je gomme celui-là? C'est pas celui-là, c'est lui. Voilà. Voilà. Ensuite, on monte ça de 1000. 2000. Voilà, on est à la hauteur. Et normalement, normalement on vient là, on fait 1000, on fait 1000, là encore 1000, là on descend. Alors je vais faire un étirement de ce côté là. 1000. Ensuite on va couper ça, on va monter l'outil monter, alors de, je dois bien être au même niveau que ça, c'est possible, ça doit le faire. Pareil. Pourquoi je l'ai séparé en fait? J'aurais pas dû le séparer vu que c'est la même chose. Voilà le mur. Bon, ça fait déjà 33 minutes. Pas beaucoup avancé. Bon, écoutez, je vais arrêter là. Et bien, on se retrouvera pour le troisième épisode. Alors, le troisième épisode, j'espère aller plus vite, parce qu'en fait je pensais faire jusque par là le deuxième, celui-là là qu'on est en train de faire, mais je vois que je patauge un peu dans le truc là, mais on va y arriver hein, je pense. Ouais, c'est cool quoi. Donc je vous dis à la prochaine et ciao.